Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un baladeur audiophile, on va parler du Fio M11 Pro. Alors finalement, si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous avez vu que j'ai déjà fait une vidéo sur le Fio X5 Mark III, un baladeur audiophile au rapport qualité-prix complètement dingue, que j'avais vraiment adoré. J'avais conclu ce test en faisant une petite ouverture en parlant de l'annonce du M11 qui avait été faite par Fio. Ce temps est déjà complètement révolu. Maintenant, ils ont annoncé le M11 Pro qui finalement apporte une nouveauté en plus. Alors le M11 Pro vient pas du tout remplacer le M11 dans la gamme de chez Fio, mais il vient se rapprocher encore plus de ce que peuvent aimer les audiophiles, et ce M11 Pro constitue réellement le haut de gamme. On est presque au niveau du très haut de gamme que propose Fio avec son M15 qui est lui, waouh, on est à plus de 1 000 euros, et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est clairement bluffant. Mais voilà, on se reconcentre tout de suite sur le M11 Pro et finalement on va faire le tour des caractéristiques techniques de ce produit, et à la fin de ce test je vous dirai ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. C'est parti. Alors au niveau des caractéristiques techniques de cet appareil, vous allez voir que sur certains points, on est assez proche de ce que proposent les smartphones aujourd'hui. Et je vais essayer de vulgariser un petit peu les caractéristiques techniques audio, parce qu'on n'y est pas forcément habitué, et ça peut tout de suite se barrer en mal de crâne, parce qu'il y a des composants vraiment assez particuliers. On commence, comme je l'ai dit, par la partie audio avec un DAC. Un DAC, c'est quoi? C'est finalement un composant qui va permettre de convertir le signal audio. Et ici, on retrouve le DAC AK4497EQ, qui constitue finalement pratiquement le très haut de gamme de ce qui se fait actuellement. Le seul DAC encore un cran au-dessus, c'est le AK4499 qui est, comme je le disais, proposé sur le M15 de chez Fio. Après ce double DAC, on retrouve une double amplification THX. Alors THX, peut-être que ça vous dit quelque chose. Quand vous regardez un film, souvent il y a une petite animation THX avec un son qui envoie pas mal. Et donc tout simplement, l'amplification, c'est ce qui va permettre de donner finalement du jus à votre baladeur pour vous permettre d'alimenter au mieux vos écouteurs ou votre casque, pour voilà qu'il y ait quand même du volume. Et donc dedans, on retrouve un ampli THX, et c'est là la particularité par rapport au M11 classique, c'est qu'ici, avec ce M11 Pro, c'est une amplification THX. Bon, de réputation, cet ampli et cette double amplification est réputée pour avoir très peu de distorsion, donc finalement le son ne sera pas déformé, même à fort volume. Et également, cette amplification, en théorie, propose un son assez neutre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coloration au niveau de votre écoute musicale et vous serez au plus proche de ce qui a été enregistré en studio par l'artiste. Et ça, c'est cool, surtout pour les audiophiles que nous sommes peut-être tous. Et j'espère que nous sommes tous. Ce double DAC et cette double amplification vous permettent d'écouter de la musique dans à peu près tous les formats. Alors, on retrouve des formats compressés, forcément, des formats non compressés. Bon, je vous invite forcément à vous tourner vers les formats non compressés. Vous retrouvez ce qui se fait de plus classique, du FLAC, du WAVE, de l'AIFF. Vous retrouvez également des formats assez rares mais très qualitatifs comme le DSD. Et tout ce petit monde est accessible en 32 bits, 384 kHz. Alors là, encore une fois, ça vous assomme. Mais finalement, voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces composants et ces formats en particulier pour essayer voilà, d'obtenir toujours la meilleure qualité audio. Bon, maintenant qu'on a fait le tour finalement des caractéristiques audio qui nous ont donné un mal de crâne certain, on va passer à des caractéristiques qu'on retrouve vraiment sur aujourd'hui la plupart de nos smartphones. À commencer ici par l'écran. Bon, c'est un écran de 5 pouces bord à bord, donc vraiment ce qui se fait aujourd'hui sur les smartphones, vraiment pour maximiser la surface d'affichage et minimiser l'encombrement de l'appareil. On est sur une dalle IPS de 16 millions de couleurs avec une résolution de 1440x720 pixels. Alors on n'est pas sur de la Full HD, mais c'est très clairement lisible, et même plus que lisible. L'écran est assez joli avec un joli contraste et des couleurs plutôt flatteuses, et forcément cet écran est multi-touch. Donc vraiment similaire à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les smartphones. Au niveau de la connectivité sans fil, on retrouve à l'intérieur du Wi-Fi qui propose des bandes 2,4 et 5 GHz. En sans fil, à l'intérieur de ce baladeur, j'allais dire smartphone mais baladeur, on retrouve également du Bluetooth 4.2. Mais le plus intéressant, c'est qu'on retrouve des codecs sans fil de très bonne qualité. On retrouve le codec aptX, aptX HD et LDAC de chez Sony qui vous permettront, moyennant une petite compression, de vous rapprocher de la qualité que vous pourriez obtenir en sans fil, et tout ça en Bluetooth, forcément moyennant des appareils compatibles, parle là des écouteurs et des casques. Pour faire tourner cette jolie petite machine, on retrouve à l'intérieur un processeur de chez Samsung, le Exynos,
référence 78-72, gravé en 14 nanomètres. On trouve également 3 Go de RAM. Et tout ça, ça sert à alimenter un OS, pas n'importe quel OS, Android 7.0, c'est une version d'Android un petit peu modifiée, qui vous permettra quand même d'avoir accès au Google Play, ce qui est bien pratique pour télécharger des applications, et pourquoi pas également des applications de streaming, pour de la musique, comme par exemple Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, pour ne citer que. Il y a des fonctionnalités également intéressantes hein, sur ce baladeur, on retrouve le DAC USB, donc c'est-à-dire que vous allez brancher votre baladeur à votre ordinateur, et sur votre baladeur, vous allez brancher en filaire vos écouteurs ou votre casque et vous allez pouvoir utiliser le baladeur comme carte son. Ça vous permet d'avoir une meilleure puissance et d'améliorer le signal audio sur votre PC ou votre Mac. Et il y a également la fonctionnalité AirPlay qui va vous permettre de faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en sans fil. Vous connecterez vos écouteurs ou vos enceintes en AirPlay sur votre baladeur qui sera lui raccordé à votre PC ou votre Mac et vous pourrez bénéficier de l'audio. On continue également avec la mémoire interne 64 Go, c'est pas mal, et vous avez un port micro SD, vous pouvez mettre une seule carte SD, pouvant aller jusqu'à 2 Tera. Il y a de quoi faire. Ensuite, au niveau de la connectivité filaire, alors là, encore une fois, c'est un vrai couteau suisse, hein, ce baladeur. Je vous invite à aller faire un tour sur le site du fabricant. Mais il y a quand même un point important, il y a des prises à la fois symétriques et asymétriques. Alors si ça ne vous parle pas, je vous invite à vous renseigner, mais en tout cas, il y a un point très intéressant. En asymétrique, vous pourrez alimenter des casques allant de 16 à 150 ohms. En tout cas, c'est le fabricant, c'est Fio qui le dit. Et en symétrique, vous pourrez alimenter des casques ou des écouteurs hein, allant de 16 à 300 ohms. Alors si vous vous y connaissez un petit peu, vous vous rendez compte très clairement que ce baladeur est très puissant et va vous permettre d'alimenter même certains casques sédentaires, des casques Hi-Fi qui sont initialement prévus pour être branchés sur des chaînes Hi-Fi. Donc ça peut très clairement vous permettre d'obtenir une vraie belle qualité audio avec de vrais bons casques audiophiles. Et on terminera rapidement par la batterie. Hein, on est sur une batterie de 4370 mAh d'après le constructeur en fonction de ce que vous faites. Vous avez à peu près 10 heures d'autonomie, voire un petit peu plus. Mais voilà, hein, faudra pas chercher beaucoup plus. Et vous pourrez recharger finalement ce baladeur en 2 heures, encore une fois, d'après le constructeur. Je terminerai juste un point par rapport aux différences entre le M11 et le M11 Pro. J'ai parlé de l'amplification THX, hein, c'est la principale différence entre le M11 et le M11 Pro. Il y a aussi une autre différence, cette fois-ci plutôt esthétique et au niveau du poids. C'est que le M11 Pro est un peu plus lourd que le M11 classique. Le M11 Pro prend 21 grammes hein, par rapport au M11. Et le M11 Pro est 1 mm plus épais que le M11. Donc voilà, culture d'homme du monde. C'est parti maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces caractéristiques techniques et que vous avez pris votre petite aspirine. On va pouvoir, et je vais pouvoir finalement, vous donner mon avis sur ce produit et en dégager dans un premier temps ce que j'ai aimé. Par le point fort ou ce que j'ai aimé qui est vraiment le plus flagrant, c'est la qualité audio, vous vous en doutez. C'est très clairement impressionnant. Alors j'ai écouté un peu de tout, j'ai écouté des fichiers compressés sur Apple Music, sur Deezer, ensuite je suis passé sur des fichiers en FLAC, je suis même passé sur des fichiers que j'avais stockés sur ma carte SD qui étaient des fichiers en 24 bits. C'est très clairement impressionnant. Moi j'ai écouté de la musique sur ce baladeur avec un casque qui demande une grande puissance d'alimentation, hein, j'en parlais tout à l'heure, avec le Beyer Dynamic Amiron, hein, qui est vraiment un casque qui demande beaucoup de puissance, hein, qui a une impédance de 240 ohms, autant vous dire que voilà, il faut pouvoir le remuer le casque. Et avec ce casque, j'ai obtenu des résultats vraiment géniaux, très impressionnants en termes de scène sonore, surtout au niveau du naturel de la voix. C'est souvent ce que recherchent hein, les audiophiles, c'est vraiment ressentir les aspects de la voix, les petits bruits finalement qu'on n'entend pas quand il y a de la compression, hein, quand vous écoutez de la musique avec des fichiers compressés. Voilà, il y a des petits détails qui sont perdus du fait de cette compression. Et là, sur ce baladeur, c'est très impressionnant. On a une réserve déjà de puissance aussi qui est impressionnante. Hein. Moi, j'utilise par contre mon casque sur une prise symétrique, hein, vraiment pour avoir une marge conséquente en termes de puissance audio. Hein. Autant vous dire qu'à peu près 60-70% du volume hein, qui va jusqu'à 120 au maximum, on entend très très bien. J'ai vraiment de quoi faire. La scène sonore est très large. J'en ai parlé, le naturel sur les voix est impressionnant. La précision sonore est elle aussi au rendez-vous. On parlait tout à l'heure de neutralité hein, par rapport à l'ampli, à la double amplification. C'est véridique. Hein, on n'a pas du tout l'impression que
les basses viennent prendre le pas sur les aigus. C'est très clairement très impressionnant et très naturel, et ça, c'est la première fois que j'entends ça réellement sur un baladeur. Il faut savoir que j'ai eu l'occasion de tester différents baladeurs, et là c'est très clairement impressionnant. Si vous êtes audiophile ou si vous avez vraiment envie de passer un cap dans l'audio, voilà, c'est très clairement le point qui m'a le plus bluffé, et ça fait partie des principales choses que j'ai vraiment aimé sur ce baladeur. Là je viens d'en parler, mais forcément en deuxième point que j'ai bien aimé, c'est l'amplification, enfin en tout cas c'est cette puissance que va vous délivrer ce baladeur, hein, qui vous permet d'alimenter vraiment tous les casques. Alors voilà, faudra jouer peut-être sur la prise sur laquelle vous allez brancher votre casque, hein, que ce soit du symétrique ou de l'asymétrique, j'en ai déjà parlé, mais vraiment il est d'une puissance assez incroyable ce baladeur, et on est encore un cran au-dessus par rapport au X5 Mark III que j'avais pu tester de chez Fio, qui déjà présentait une belle réserve de puissance, et là c'est encore un cran au-dessus. On continue finalement sur l'aspect plus classique, hein. On est sur une interface très fluide, hein. Vraiment cet Android modifié il fonctionne très bien. On a un large et bel écran, et ça fait plaisir, hein, sur un baladeur, hein, ils ont souvent un petit cran de retard par rapport au smartphone aujourd'hui, et ici voilà, on profite réellement très facilement de la lisibilité de l'écran, et vous pouvez même aller faire un tour pourquoi pas sur Netflix ou sur YouTube pour profiter des contenus finalement vidéo sur ce baladeur. En point positif, j'ai également noté finalement les fonctionnalités, hein, j'en ai parlé, le DAC USB, hein, de permettre d'utiliser ce baladeur comme carte son sur votre PC ou votre Mac, ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante. La même fonctionnalité en AirPlay qui est là aussi bluffante, et en plus personnellement j'ai même pu regarder des films sans avoir de latence, hein, en AirPlay, donc ce qui est plutôt sympa. En point positif, j'ai également noté la finition du produit. Alors on est vraiment sur un très très beau produit avec de très jolies finitions, des matériaux qui inspirent la confiance, et ça fait plaisir, hein. On voit que Fio est en train au fur et à mesure du temps de vraiment de monter en compétence et de nous proposer des produits très bien finis, et ça c'est bien. Et enfin l'autonomie, hein, qui est franchement très correct par rapport à la puissance que propose cet appareil. On est, comme j'ai dit, aux alentours des 10 heures, un petit peu au-dessus des 10 heures. Bien évidemment, ça va dépendre, hein, de ce que vous faites avec, si vous sollicitez beaucoup l'écran ou si vous mettez le son à fond. C'est sûr que ça risque de varier, mais en tout cas, c'est très correct. Bon, maintenant, il va falloir en parler des points que j'ai un peu moins aimés, les points négatifs. Alors, pour être honnête, hein, j'ai noté deux points négatifs, bon, qui m'ont vraiment chagriné. La tendance du baladeur à chauffer. Alors, c'est vrai, il y a quand même énormément de composants à l'intérieur, des composants de très grande qualité. Comme j'ai dit, il y a une grande puissance au niveau de ce baladeur, hein, qui permet de vraiment d'alimenter beaucoup de casques qui demandent beaucoup de puissance, et ça chauffe. Au bout d'une trentaine de minutes, 30-35 minutes, ça devient assez chaud. Alors après, voilà, ça dépend, hein. Faut pas le poser par exemple sur un lit ou sous une couette, si vous avez l'habitude d'écouter la musique en vous endormant, là c'est sûr que ça va vous faire un petit chauffage d'appoint. C'est pas le but, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, je vois pas tellement comment il pourrait évacuer la chaleur de manière efficace. Mais voilà, hein, il faut être au courant finalement que ce baladeur risque de chauffer un petit peu si vous le sollicitez. Et enfin, en deuxième point négatif, j'ai noté la présence finalement d'Android 7.0. Alors, si vous êtes, vous baignez dans le monde d'Android, vous vous rendez compte très clairement que ce n'est pas une version d'aujourd'hui. Hein, 7.0, ça date d'il y a déjà quelques années. Peut-être pas 5 ans, mais un petit peu moins. Et aujourd'hui, voilà, vous pouvez installer, comme j'ai dit, des applications sur le Google Play, mais attention, à l'avenir, je sais pas, peut-être dans 2-3 ans, peut-être que les développeurs d'applications sur le Google Play décideront de ne plus rendre compatibles leurs applications avec Android 7.0. C'est un risque. Malheureusement, je pense qu'il y a du côté de Fio des licences, hein, forcément, hein, Fio doit se fournir en licence Android, et je pense pas qu'ils misent énormément sur des licences plus chère et finalement plus récente, hein, du système Android, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec du 7.0. Je l'ai dit également, c'est un Android un peu modifié, donc là encore, certainement que ça pose des problèmes, hein, de modifier un OS Android qui est très récent. J'ai pas vraiment d'explication à ce niveau-là, mais voilà, il faut être conscient que dans les années à venir, il y a des risques que les applications actuelles ne soient plus compatibles avec Android 7.0. Rassurez-vous, pour l'instant, c'est le cas, hein. Toutes les applications sont compatibles avec Android 7.0 au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, il faut être conscient de ça. Après, si vous écoutez pas du tout de la musique en streaming et que vous avez vos propres fichiers, c'est très bien. Et donc, dans ce cas-là, vous serez pas du tout impacté. Et donc, finalement, ce point négatif, pour vous, n'existera pas. Et voilà, on a fait finalement le tour maintenant de ce baladeur. On va conclure rapidement.
Très clairement, c'est un excellent produit. Alors, vous allez me dire forcément, il coûte déjà un bras, voire même peut-être un autre bras. Mais parfois, on se rend compte qu'on paye et la qualité n'est pas au rendez-vous. Et là, très clairement, la qualité est très clairement au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment cool. Comme j'ai dit, une très très belle qualité audio, un produit très bien fini, un large écran qui va vous permettre de consommer du contenu, même audiovisuel. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Forcément, on se pose un peu la question, à qui va s'adresser ce genre de produit ? Alors forcément, ça va, dans un premier temps, je pense s'adresser à des gens qui ont déjà plus d'un pied dans le domaine de l'audio, ou en tout cas qui sont un peu des audiophiles et qui ont envie vraiment de se faire chatouiller les tympans de manière encore plus précise, plus percutante, et qui ont déjà connu d'autres appareils un peu moins haut de gamme que celui-ci. Mais ça s'adresse peut-être aussi à ceux qui ont envie de passer un cap dans le domaine de l'audio, vous qui par exemple écoutez de la musique sur votre smartphone en Bluetooth sans vraiment comprendre ce que vous faites. Cette vidéo peut très clairement vous donner envie de vous lancer sur ce genre de produit, et pas forcément vous offrir ce produit là, mais comme je l'ai dit, la gamme de chez Fio est très complète. N'hésitez pas à aller sur leur site, hein, ça démarre à moins de 100 €. Vous avez des baladeurs qui ont un très bon rapport qualité prix comme je l'ai dit, et qui vont permettre de rentrer tranquillement sur ce marché et vous permettre de profiter encore plus de votre musique. D'ailleurs, à ce niveau là je ferai une vidéo certainement très bientôt pour parler un petit peu d'audio et de vous donner des petits conseils pour améliorer la qualité audio au niveau de votre écoute, vraiment des petits conseils, des petites astuces, que ce soit au niveau des fichiers ou même du baladeur. Mais voilà, très clairement, ce Fio M11 Pro est une vraie réussite. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur et je pense que je suis pas prêt de le lâcher. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça serait vraiment cool. Vous pouvez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et là ici par exemple, pourquoi pas Instagram. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !